dans la région de Saint-Louis, à la frontière suisse. Liliane est une stripteaseuse de 21 ans. Vu la famille d'où elle vient, une famille italienne, conservatrice, c'est pas le genre de job qu'on assume. Et donc, elle ne va en parler à personne. C'est un secret dans sa vie. Un secret qu'elle avoue cependant à son futur mari, Carlo, lui promettant de tirer définitivement un trait sur ce métier. Le couple mène alors une vie tout à fait ordinaire, jusqu'à ce 12 mai 2005. Ce jour-là, Carlo arrive en urgence au commissariat, signalant que Liliane vient d'être victime d'une tentative de viol dans un parking. Mais en arrivant sur les lieux, les policiers découvrent une scène d'horreur. Un homme a été assassiné. Les enquêteurs se posent énormément de questions. Qui est cette victime? Qui est cet homme mort dans une voiture? Quel lien avait-il avec celle qui l'aurait agressé? Et surtout, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette voiture? À Annecy, Morgane, 33 ans, est une psychologue reconnue et appréciée. C'est la psychologue parfaite, c'est la maman parfaite, c'est la meilleure amie parfaite. C'est la fille sans histoire qui a juste réussi sa vie et qui est une psychologue reconnue par ses patients. La jeune femme partage son cabinet avec son mari, Louis, lui aussi psychologue. Ainsi, le 26 août 2020, le couple commence sa journée et la salle d'attente est déjà remplie de patients. Mais alors que Louis se trouve en pleine consultation, un drame survient. Il entend un bruit sourd, une déflagration. Il ouvre immédiatement la porte de son cabinet et il voit sa compagne au sol. Il comprend très rapidement, il voit sa femme à terre, le visage emporté, détruit par la détonation et par l'unique coup de feu. Et tout de suite, ils vont se demander qui a pu tuer cette jeune femme, apparemment sans histoire. Nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une petite ville qui est frontalière avec la Suisse, une ville française. Il est 15h lorsqu'au commissariat de Saint-Louis, les policiers voient débouler un homme furieux. Carlo, cet homme va raconter aux policiers que sa femme, Liliane, a été victime d'une tentative de viol et il est affolé. Il leur remet les clés de la voiture de l'agresseur en leur donnant l'adresse exacte, l'emplacement du parking. Et très vite, il vient nous voir au parking pour éventuellement voir s'il est capable de retrouver ce mystérieux agresseur. Alors à ce moment-là, quand les enquêteurs voient Carlo ressortir en furie du commissariat, ils n'ont qu'une crainte, c'est qu'il tombe sur l'agresseur avant eux et qu'il le passe à tabac, qu'il le massacre et que là, on ne soit plus sur une tentative de viol, mais sur une agression, voire un meurtre. Donc il faut faire très vite. Donc les policiers arrivent en trombe hein, dans ce parking, ils veulent absolument trouver cette voiture. Il y a un emplacement, l'emplacement 609. Ils découvrent cet emplacement, ils voient la voiture. Les policiers vont s'approcher de ce véhicule et sur le coup, ne vont pas remarquer grand-chose. Et là, c'est la surprise, ils voient que du véhicule coule une flaque rouge, c'est du sang. Les policiers ouvrent la porte de la voiture. Et là, stupeur, ils découvrent un homme. Les enquêteurs vont trouver le corps d'un homme dissimulé sous un monticule de vêtements. Et à ce moment-là, évidemment, les enquêteurs vont procéder aux investigations nécessaires et c'est comme ça que ce dossier va démarrer. Et là, forcément, les enquêteurs sont stupéfaits. Ils pensaient intervenir sur une affaire de viol. Et il se retrouve avec un cadavre sur les bras, donc ce n'est plus une affaire de tentative de viol, mais c'est donc une affaire de meurtre qui débute pour eux. Les policiers découvrent un crime violent, sanglant. Et ils se disent que la version qui a été donnée n'est pas la bonne. Il s'est passé autre chose et ils vont essayer de le découvrir. Et donc à partir de ce moment-là, on bascule dans une enquête hors norme, un espèce de polar où finalement
Les victimes ne sont pas celles que l'on croit. Nous voici dans la région de Saint-Louis, une petite ville à la frontière franco-suisse. C'est ici que grandit Liliane, entourée de ses six frères et sœurs. L'enfance de Liliane et le contexte familial est, je pense, typiquement celui d'une famille italienne qui s'est installée ici dans la région. Famille nombreuse, soudée, attachée évidemment à des valeurs de civilisation italienne, mais très bien intégrée. Une mère vraiment à la maison très présente et un père plutôt dur. L'archétype même de la famille italienne immigrée qui travaille et qui essaie de se débrouiller pour faire vivre sa famille. C'est la petite dernière d'une famille de 7 enfants. Une enfance normale jusqu'à l'âge de 14 ans où elle perd son père. Et là, forcément, c'est un traumatisme pour elle. On se rend compte à ce moment-là que ses notes dégringolent un peu à l'école. Alors, c'est probablement lié à la perte de son papa, mais en tout cas, voilà, elle dévisse un peu à l'école à ce moment-là. Elle va très vite abandonner les études où elle ne brille pas particulièrement et se lancer rapidement dans la vie professionnelle. Donc elle va commencer à enchaîner des petits boulots pour faire un petit peu d'argent, mais comme la vie, les sorties, ça coûte un petit peu des sous, elle voit une annonce un jour, un petit sex shop cherche des jeunes femmes pour faire des strips derrière des vides, quoi. Donc elle se dit pourquoi pas, et elle a poussé la porte en chemin d'un sex shop, et elle a commencé un tout petit peu à faire ce qu'on appelait les pipe shows de l'époque, quoi. Et donc, évidemment, vu la famille d'où elle vient, une famille italienne, conservatrice, c'est pas le genre de job qu'on assume. Et donc, elle ne va en parler à personne. C'est un secret dans sa vie. Et donc, on peut dire que Liliane commence sa vie active par un premier gros secret. C'est à l'âge de 21 ans que Liliane fait la rencontre de son futur mari, Carlo, lui aussi d'origine italienne. C'est le coup de foudre, quoi. Lui est pizzaiolo, elle continue ses petits boulots, elle continue aussi à faire ses strips, mais y a quelque chose qui se passe entre eux, il y a une forme de connexion. C'est le seul à qui elle avoue son secret. Son secret, c'est qu'elle fait du striptease dans sex shop, que c'est pas formidable, mais elle avoue à son mari. Et bien sûr, comme ils s'aiment, elle va dire que bien sûr, elle ne refera plus jamais ce métier et qu'elle va se ranger entre guillemets et qu'elle va exercer un métier traditionnel et qui n'aura plus rien à voir avec les métiers du sexe. Alors là, on est vraiment, je pense, dans la tradition, j'allais dire italienne, hein, avec. Le jeune homme qu'elle rencontre et une volonté finalement de mener une vie tout à fait, comment dirais-je, classique, un peu à l'italienne, puisque il va y avoir un mariage, il va y avoir la naissance d'une petite fille. Alors le quotidien de Liliane et de son mari Carlo est hyper classique, hyper ordinaire. Chaque matin, il se réveille. Petit-déj en amoureux, puis le biberon de la petite. Ensuite, ils vont chacun travailler dans leurs emplois respectifs. Alors, ils travaillent tous les deux dans la région de Bâle, en Suisse, à côté de la frontière. Mais ils ne partent pas ensemble au travail parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires. La petite est déposée à la crèche. Liliane prend la route pour l'entreprise où elle est femme de ménage, pendant que Carlo, lui, rejoint la pizzeria où il est pizzaïolo. Couple, tout ce qu'il y a de plus banal à la frontière de Bâle. Mais cette vie de famille unie vole en éclats le 12 mai 2005.
Elle arrive chez elle totalement excitée et apeurée en annonçant à son mari qu'elle a été agressée apparemment par un individu dans le parking de Saint-Louis, qu'elle s'est débattue, elle l'a frappée avec ce qu'elle a pu trouver et qu'elle s'est directement enfouie en prenant les clés du véhicule. Ni une ni deux, il va au commissariat. Du coup, lorsque Carlo raconte l'agression aux policiers, les policiers décident de se rendre immédiatement sur les lieux de l'agression. D'autant que Carlo leur a remis les clés de voiture de l'agresseur, a priori, que Liliane aurait récupéré. Et eux se précipitent sur les lieux de l'agression, sans se douter un instant de ce qu'ils vont découvrir, en fait. À Saint-Louis, dans le parking où Liliane dit avoir échappé à une tentative de viol, les policiers viennent de retrouver le corps d'un homme. Carlo, quant à lui, est déjà reparti. Pour eux, c'est un crime, c'est plus du tout une histoire de viol, c'est un crime. Et évidemment, qui dit crime dit auteur, et il faut trouver l'auteur. Et la première suspecte, c'est bien sûr Liliane. Liliane pourrait être la meurtrière de cet agresseur présumé, ou alors son mari, puisque c'est lui qui va au commissariat pour dénoncer des faits. Résultat des courses, ils sont très vite mis tous les deux en garde à vue. Et les enquêteurs se posent énormément de questions. Qui est cette victime? Qui est cet homme mort dans une voiture? Quel lien avait-il avec celle qui l'aurait agressée? Et surtout, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette voiture? Au commissariat, les gardes à vue de Liliane et Carlo débutent. Pour Carlo, ça prend fin assez rapidement parce qu'il n'a aucune information supplémentaire à fournir que ce qu'il a déjà dit auparavant. De son côté, Liliane s'en tient à sa version. Elle raconte une tentative de viol à laquelle elle a réchappé. Liliane explique un espèce de déroulé de son après-midi. Elle rentrait chez elle. Elle aurait été abordée par un individu au volant d'un véhicule qui cherchait son chemin et qui lui aurait demandé si elle pouvait l'aider, le renseigner. Et bien évidemment, Liliane serait montée avec ses sacs de course dans la voiture. Et brutalement, le conducteur change de comportement. Il devient très agressif, il sort un couteau. Et il dit à Liliane que si elle ne l'écoute pas, il va l'égorger. Et c'est à ce moment-là qu'il s'engouffre dans le parking. Et Liliane est tétanisée à ce moment-là, mais elle va avoir une espèce de sursaut, un instinct de survie. Au moment où l'agresseur gare sa voiture et retire son t-shirt pour l'agresser, elle arrive à se faufiler sur la banquette arrière du véhicule. En gros, elle dit « j'ai été victime d'une tentative de viol, j'ai dû me défendre. Devant me défendre, j'ai pu me saisir d'une arme, d'un couteau, j'ai frappé comme j'ai pu. C'était une action désordonnée, une action naturellement non prévue à l'avance, ça c'est évident. Et puis, je suis en état de légitime défense. » Et au moment où elle claque la portière pour s'enfuir sur le parking, elle voit un couple de personnes âgées, en fait. Et elle crie, en tout cas, elle fait appel, elle veut que ces personnes âgées réagissent. Et ben non, pas du tout. Ces personnes âgées, elles n'aident pas Liliane. Et Liliane doit se débrouiller toute seule. Et elle s'enfuit toute seule de ce parking. Donc les enquêteurs, face à cette première version de Liliane, vont être plutôt sceptiques, en fait, et ils vont aller sur la scène de crime, comme ça se fait généralement dans ce cas, pour voir si cette version correspond aux constatations faites sur la scène de crime. Dans le parking, la scène est gelée. Et très vite,
plusieurs éléments intriguent les policiers. La position du corps que découvrent les policiers est assez étrange. L'homme est coincé entre le deux banquettes avant, il est torse nu et surtout il est recouvert de vêtements. Comme si on avait voulu le cacher, le dissimuler, dissimuler le corps. C'est une position très étrange. On n'est pas devant une scène de crime où on s'imagine qu'on a donné 2-3 coups de couteau pour pouvoir s'enfuir, quoi. On est dans une scène de crime qui est violente, où on est à 17-18 coups de couteau, quoi, et pas des petits coups de défense. Et évidemment, le médecin légiste, qui donnera aussi assez rapidement son point de vue, va expliquer aux enquêteurs que les constatations, notamment autopsiques, la direction des coups de couteau, etc., ça ne correspond absolument pas aux déclarations. En plus de ça, des plaies qui se trouvent dans des zones vitales du corps humain, des plaies qui sont profondes, et tout cela traduit à une volonté de tuer, un acharnement. Donc face à tous ces éléments, les enquêteurs se disent que finalement, ils sont plus face à un meurtre sauvage qu'à une simple légitime défense. Liliane, elle, prétend qu'elle s'est juste défendue pour sauver sa peau, mais ils sont face à une scène de crime d'une sauvagerie atroce. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations dans le véhicule, à la recherche de l'arme avec laquelle Liliane dit s'être défendue. On a un corps, on a du sang, on a des traces de coups d'une arme blanche, mais par contre, on n'a pas l'arme. Et les enquêteurs, dans le véhicule, ne retrouvent que le fourreau, finalement, de ce qui pourrait ressembler à un couteau de cuisine, qui pourrait être l'arme du crime. Et ils comprennent à ce moment-là que c'est une pièce à conviction essentielle, forcément, et qu'ils vont devoir enquêter pour mettre la main dessus. Les policiers se mettent alors à la recherche des deux témoins potentiels décrits par Liliane. Alors, rapidement, le couple de personnes âgées que Liliane prétend avoir alerté ou en son agression est identifié. Les enquêteurs interrogent ce couple et découvrent que la version de Liliane ne colle pas du tout avec leur version à eux. Donc ça fait beaucoup de choses pour évidemment susciter de légitimes interrogations chez les policiers. Pour tenter de reconstituer le déroulé des faits, les enquêteurs réquisitionnent les images de surveillance du parking. Très vite, l'exploitation de la caméra va pouvoir montrer que on voit le véhicule de ce monsieur et on voit très clairement que le conducteur est à sa place, donc évidemment côté gauche, et côté droit, passager, il n'y a personne. Donc ce qui va laisser immédiatement présumer que si Liliane est dans ce véhicule, elle est forcément à l'arrière. On a du mal à s'expliquer pourquoi elle n'est pas assise à côté, surtout si dans un premier temps, elle était censée lui montrer un chemin. Et le deuxième point, c'est qu'on voit très nettement Liliane quitter le parking avec la démarche d'une personne qui vient de garer sa voiture et qui sort du parking, non pas en courant, non pas en longeant les murs, mais en marchant, j'allais dire normalement, comme tout un chacun. Donc on sait à quelle heure est rentré le véhicule dans le parking. Et on sait à quelle heure Liliane en est ressortie. Pas dans le véhicule, pas en courant. 20 minutes plus tard, voire presque une demi-heure plus tard, d'une manière on ne peut plus tranquille, qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle raconte, et encore moins au fait qu'elle aurait pu être agressée. Donc face à ces éléments, les enquêteurs sont maintenant persuadés d'une chose, c'est que Liliane ment. Mais il va d'abord falloir obtenir plus de billes avant de pouvoir la confondre. Avec la plaque d'immatriculation du véhicule, les policiers parviennent à remonter jusqu'au propriétaire, qui n'est autre que la victime.
Donc il s'agit de Christophe, c'est un homme de 34 ans, célibataire, sans histoire, un électrotechnicien qui n'a jamais fait parler de lui, qui n'est pas du tout connu par les services de police, il n'a pas de casier judiciaire, et les policiers très vite vont se demander qu'est-ce qu'il peut faire dans cette histoire. Ça ne correspond pas du tout à un violeur, un prédateur qui agit dans les parkings. Pourquoi Liliane s'en serait-elle prise à cet homme? Pour tenter d'établir un lien entre elle et la victime, les enquêteurs perquisitionnent son domicile. Ils vont réaliser une perquisition, ils vont prendre connaissance du cahier ou du carnet de Liliane dans lequel il y a les coordonnées de Christophe, et ils vont surtout découvrir dans une armoire à chaussures, me semble-t-il, le portefeuille. Et ce portefeuille est celui du défunt Christophe. Alors évidemment, tout cela pose question. Depuis le début de cette histoire, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Et à nouveau, en découvrant que Liliane et Christophe se connaissaient, ils tombent de leur chaise et comprennent qu'ils n'ont pas du tout affaire à une affaire classique. Fort de ces nouveaux éléments, les policiers décident de réinterroger Liliane et de la confronter au fait qu'elle connaissait Christophe. Elle essaie d'adapter son discours aux éléments recueillis par les enquêteurs de police. Elle commence par mentir effrontément. Je ne connais pas ce Christophe. Alors ensuite, elle va nous dire je le connais très très vaguement. Ils se sont rencontrés par hasard ce jour-là, qu'elle est montée dans la voiture parce que il lui a proposé éventuellement d'aller boire un verre simplement, et qu'au final, ce qu'elle pensait être simplement une rencontre amicale était devenue une tentative de viol. C'est bien la thèse de la légitime défense, de l'agression qui a été perpétrée, avec cette volonté évidemment de sauver sa peau. À l'issue de sa garde à vue, Liliane, qui s'est murée dans le silence, est mise en examen pour meurtre et écrouée. Peut-être que Liliane cache encore des éléments encore plus importants qui vont exploser dans cette enquête et révéler d'autres choses inédites. En tout cas, les policiers sont face à un mystère et ils vont devoir le percer. Au commissariat de Saint-Louis, afin d'assembler les pièces du puzzle, les enquêteurs se penchent sur la personnalité de Christophe, la victime. C'est un homme tout ce qu'il y a de plus normal, qui vit dans le territoire de Belfort, qui a 34 ans, qui joue au foot, qui est plutôt la personne qui a le cœur sur la main, et c'est le premier qui va aider un ami s'il a du bricolage à faire chez lui. C'est un garçon généreux, parce qu'il a même, peu de temps auparavant, il a donné un rein à son frère qui était malade. C'est vraiment une personne qui avait une vie on ne peut plus normale. Mais en 2002, Christophe subit un licenciement économique. Donc c'est quelqu'un qui est totalement perdu suite à ce licenciement. Il perd ses repères, il est condamné à l'oisiveté. Petit à petit, forcément, il retrouve pas tout de suite, il retrouve pas de boulot, il vivote de petits jobs. Et à ce moment-là, Christophe est attiré par de mauvaises fréquentations et plus particulièrement par le monde de la prostitution qui exerce sur lui des espèces d'attraits un peu morbides. Christophe fréquentait beaucoup de sites internet dans le milieu de la prostitution, notamment en Suisse, qu'il rencontrait des prostituées dans des hôtels. En fait, une de ces prostituées, il se trouve que c'était Liliane. Donc, c'est une toute autre histoire qui commence et c'est un autre milieu qu'ils vont devoir enquêter. Le milieu de la prostitution. Les enquêteurs se rendent alors à Bâle, en Suisse, afin d'en apprendre davantage sur les activités de Liliane. Les maisons closes existent en Suisse, les bars à filles y prolifèrent, les actes tarifés sont autorisés aussi dans des lieux clos.
C'est pas du tout la même chose que chez nous. C'est là qu'elle commence à travailler. C'est aussi là qu'on lui fournit un faux contrat de travail de femme de ménage pour qu'elle puisse jouer le jeu auprès de son mari. Et donc là, elle va se prostituer, elle va faire des rencontres, notamment elle va rencontrer d'autres escortes qui vont rapidement lui parler d'un site sur lequel elle va proposer ses services assez rapidement. Liliane gère ses propres rendez-vous, elle fixe ses rendez-vous dans les hôtels de la région et elle gagne beaucoup d'argent, elle gagne, on a estimé, à peu près à 2000 euros par semaine. Afin de vérifier les informations récoltées en Suisse, les policiers interrogent le personnel des hôtels où Liliane avait l'habitude de se prostituer. Ils découvrent rapidement que Liliane était souvent accompagnée d'un homme. Et en montrant la photo de Christophe, le personnel des hôtels en question confirme que c'est bien Christophe qui l'accompagnait. En fait, ils se rendent compte que Christophe n'est pas qu'un client. Ou est peut-être même pas un client. Il va effectivement dans les hôtels, mais en fait, il a plutôt tendance à emmener Liliane dans les hôtels, là où elle va rencontrer d'autres clients. Lui, il est dans la voiture et il attend que madame finisse ce qu'elle a à faire avant de la récupérer et de repartir avec elle. Les policiers connaissent maintenant le rôle de cet homme. C'était un rôle d'accompagnateur des activités de Liliane. Mais en fait, ça paraît étrange quand même. Et ils veulent en savoir plus. Et ils vont devoir demander à Liliane le rôle joué exactement par cet homme. Suite à la découverte de cette double vie, une nouvelle audition de Liliane est organisée dans le bureau de la juge d'instruction. Et c'est à ce moment-là que les avocats de Liliane vont découvrir le secret de leur cliente. Nous sommes en face de la juge d'instruction et la juge avance sur son bureau l'album, un catalogue où on va retrouver à une page dédiée la photo, les photos de Liliane, évidemment en position très suggestive, en très petite tenue. Et là, c'est pour les avocats, évidemment, la très mauvaise surprise. On ne le montre pas, mais on accuse de coup. Hein. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait un maillon important du récit qui se dérobait sous nos pas. Et bien, à partir du moment où les enquêteurs donc, démontrent les activités de prostituée de Liliane, il faut qu'elle fournisse évidemment des explications. Alors qu'est-ce qu'elle dit en substance ? Elle dit « je suis une malheureuse, je suis effectivement, ou j'étais une prostituée, bien malgré moi, je suis victime d'un enrôlement forcé dans cette bande de proxénètes dont Christophe est un pilier essentiel. J'ai horreur de ces relations sexuelles tarifées. Il m'arrive même de payer la clientèle pour éviter la relation sexuelle. Elle se victimise, elle s'érige en victime, elle rejette la responsabilité sur Christophe et elle le décrit comme un proxénète impitoyable, sans foi ni loi, homme de main d'un réseau de prostitution qui la soumet à une absence totale de liberté. Liliane explique qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait dit qu'elle allait arrêter et qu'en fait, ce jour-là, Christophe avait été envoyé pour lui dire que c'était pas comme ça que ça allait se passer et que surtout, la tentative de viol pour la pousser encore plus loin et voilà, cet acte de défense pour justement essayer de se sortir complètement de ce réseau dans lequel elle avait été enfermée. Et cette version paraît étrange aux policiers. Ils vont se demander comment cet homme, un électrotechnicien, a pu devenir ce que prétend Liliane. Et ils vont enquêter davantage pour savoir, en fait, quel était le rôle précis de cet homme-là. Face à cette nouvelle version, les enquêteurs comprennent qu'ils doivent poursuivre leurs investigations.
Il y a de nouvelles questions qui viennent, qui rentrent en compte. Liliane dit-elle vrai? Est-elle vraiment victime d'un réseau? Christophe est-il vraiment un homme de main? Face à tous ces éléments, ils sont obligés de continuer à creuser. À Bâle, les enquêteurs décident de réinterroger tous les clients, collègues et employeurs potentiels de Liliane. Ils vont s'apercevoir qu'en fait, selon les réponses, personne ne connaissait vraiment Christophe. Personne ne savait qui était cet homme-là. Il était aperçu par des prostituées que Liliane connaissait. Mais en fait, personne ne connaissait le rôle qu'il jouait exactement auprès de Liliane. Et ça étonne beaucoup les policiers. Ils se rendent compte que le réseau criminel auquel fait allusion Liliane n'existe absolument pas. Je veux dire, toutes les collègues escortes de Liliane confirment qu'elles travaillaient de leur plein gré, qu'elles n'ont jamais été forcées à quoi que ce soit, qu'elles géraient elles-mêmes leur emploi du temps, Liliane aussi d'ailleurs. Liliane gardait la totalité de ses gains. Il raconte aussi que Liliane avait beaucoup de clients. Et puis surtout que Liliane ne montrait aucune réticence par rapport à son métier. C'est pas du tout le profil d'une victime en fait, c'est plutôt le profil d'une femme assez cynique qui profite de la situation quand elle se présente. On est loin des Misérables et de Fantine. Et grâce aux témoignages des amis de Liliane, les enquêteurs vont mettre en lumière la vraie nature de la relation qu'elle entretenait avec Christophe. Les autres prostituées qui sont entendues vont le dire aux enquêteurs. Vont le dire que Liliane, en fait, elle se servait plus de Christophe que l'inverse. Et cette Liliane, eh bien, pour lui, c'est la passion. Il est amoureux fou d'elle. Il lui fait des déclarations d'amour enflammées. Il lui écrit des poèmes. Il veut être tout le temps dans son entourage. Le problème, c'est que cet amour n'était absolument pas réciproque et que Liliane s'est servie de Christophe. Il veut satisfaire tous les caprices de Liliane et finalement, il va devenir son factotum, l'homme à tout faire, celui qui la véhicule dans les différents hôtels de la région mulhousienne pour qu'elle s'adonne à ses activités de péripatéticienne. Il était tout le temps là. Les filles l'appelaient Manix, le surnommaient Manix parce qu'il fournissait les préservatifs pour les passes. Voilà, c'était un peu le chauffeur, le larbin de service, en fait. Et puis au bout d'un moment, comment dirais-je, je crois qu'elle est quand même un petit peu fatiguée parce qu'il devient collant. Alors qu'un mobile se dessine, les policiers se penchent sur la téléphonie de Liliane et Christophe. Et là, surprise, ils vont découvrir que Christophe et Liliane se sont parlé au moins 1000 fois depuis leur rencontre, échangé des messages, téléphoné régulièrement. Et encore plus étonnant, le jour du meurtre, les enquêteurs se rendent compte que Christophe est venu chercher Liliane à 11h30. Ensuite, ils sont allés dans un premier supermarché, puis dans un second. C'est à ce moment-là que Liliane éteint ses téléphones. Elle a 2 téléphones portables, elle les éteint tous les 2. Sur les images de vidéosurveillance du deuxième supermarché, on voit Christophe déambuler dans les rayons. Et on se rend compte qu'il a essayé d'appeler Liliane à ce moment-là, mais que comme Liliane avait éteint son portable, il n'arrive pas à la joindre. Alors il sort du supermarché, on suppose qu'il l'a rejoint, et puis il retourne au supermarché et là, surprise, il achète un couteau. Et c'est le fameux couteau de cuisine qui le tuera quelques instants plus tard. Il y a l'achat de l'arme du crime et cette arme est achetée par celui qui peu après devient la victime de l'assassinat. Moi, j'ai été avocat pendant 47 ans, j'avoue qu'une situation aussi inouïe, j'ai jamais vu ça. Fort de ces éléments, les enquêteurs parviennent à élaborer une hypothèse sur le déroulé des faits. On se rend compte que finalement Liliane
a demandé à Christophe d'acheter l'arme du crime, de se rendre au supermarché pour acheter le couteau. Elle a trouvé un prétexte pour l'entraîner dans le parking souterrain. Est-ce qu'à un moment donné, quand ils se sont retrouvés dans ce parking, il n'y a pas effectivement quelque chose de sexuel qui a été envisagé? Peut-être lui, pour lui faire baisser sa garde, et c'est possible. Et c'est là qu'elle l'aurait attaqué par derrière, en se servant du couteau que venait d'acheter Christophe. Et donc, on se rend compte aussi, grâce à cette enquête, que la préméditation est actée. Et c'est pour cela que Liliane est renvoyée devant la cour d'assises, non plus pour meurtre, mais pour assassinat. Mais à l'aube du procès de Liliane, la question du mobile reste floue. Est-ce qu'il n'est pas impossible que Christophe était beaucoup trop envahissant, que Christophe allait peut-être révéler au grand jour la vie cachée de Liliane? Est-ce qu'en même temps, toute sa vie à elle allait exploser une fois ces révélations faites? C'est une supposition. Il se pourrait que Christophe lui dit: écoute Liliane, maintenant, ça suffit, il faut que ce soit clair entre nous, je voudrais quand même faire mon avenir avec toi, et si tu ne veux pas, eh ben, je pourrais effectivement aller dire la vérité sur tes activités à ton mari et à ta fille. Voilà. Et ceci pourrait être effectivement la motivation de Liliane au moment où elle va réaliser ce crime crapuleux. L'enjeu de ce procès, c'est de découvrir pourquoi Liliane est passée à l'acte, parce qu'on ne sait toujours pas au moment de l'ouverture de ce procès, on ne sait pas pourquoi Liliane a décidé de poignarder dans cette voiture, dans ce parking, à Saint-Louis, Christophe. La famille de Christophe, donc partie civile, attend l'éclosion de la vérité. Près de 4 ans après le meurtre de Christophe, s'ouvre le procès de Liliane. Elle comparaît pour assassinat et risque 20 ans de prison. Lorsque le procès de Liliane s'ouvre en février 2009, la jeune femme a désormais 29 ans. Elle a un peu changé physiquement, elle est amaigrie. Pendant les 4 ans qu'ont duré l'instruction, elle a révoqué 3 de ses avocats. Si j'ai un regret professionnel, c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout. C'est comme ça. C'était un choix de cette jeune femme. Je sais que le confrère qui m'a succédé a vraiment pris le dossier à bras-le-corps. Il a dû surfer, si je puis dire, sur l'évolution des déclarations de sa mandante. Et celui qui l'assiste à l'ouverture du procès l'assure: elle ne va plus se cacher derrière la légitime défense et elle va assumer ses actes jusqu'au bout. Mais l'attitude de Liliane ne va pas être conforme à ce qu'escomptait son avocat. Le problème, c'est que Liliane reste fidèle à elle-même et qu'elle n'a absolument pas envie de se livrer. Donc, dès l'ouverture du procès, elle maintient sa version de Mac, de prostituée, de réseau. Voilà, elle campe sur ses positions. Et on a une Liliane blafarde. C'est presque comme si elle était ailleurs, où elle était complètement déconnectée de ce qui était en train de lui arriver. Elle va montrer de l'émotion. Au moment où on va parler de sa fille, elle aurait voulu éduquer sa fille, elle ne va pas pouvoir parce qu'elle sait qu'elle va être condamnée. Et donc elle montre à ce moment-là une émotion de mère vis-à-vis de sa fille qui est assez attendrissant. C'est peut-être le seul moment où elle montre de l'émotion. Elle ne montre aucune sympathie à l'égard de la victime. Elle ne daigne même pas appeler Christophe par son prénom, elle l'appelle par son nom de famille. Elle reste très froide. Pour la famille de Christophe, c'est un moment très difficile. Ce qui m'a frappé lors de ce procès, c'est la totale dignité de la famille,
le courage de la maman. Et vous savez, dans un procès comme ça, il y a des moments très, 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 très durs. Et je me souviens de gens gentils, attachants, dignes, patients. Et vraiment, j'ai beaucoup admiré le courage de cette famille plongée dans le chagrin le plus noir. Avant de clore les débats, la présidente de la cour d'assises s'adresse une dernière fois à Liliane. On est à la fin des débats et elle va dire à cette jeune femme « Madame, demain, vous aurez la parole encore. » En d'autres termes, vous avez l'opportunité de nous fournir les dernières clés ou les dernières explications pour que, finalement, le travail de la cour d'assises soit facilité. Eh bien non. Et c'est vraiment c'est la douche glacée pour la famille qui espérait un peu de bonne volonté, un peu de franchise et l'éclosion de la vérité. Ben, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Après 4 jours d'audience, Liliane est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et quand le verdict est tombé, il n'y avait ni du soulagement d'un côté, ni du soulagement de l'autre. Et Liliane pourrait à ce moment-là se dire maintenant, stop, je me suis mal comporté jusqu'à présent, je purge ma peine, je ne discute pas, je me fais modeste et petite, fini, terminé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle fait appel. Elle fait appel. Pour la famille de Christophe, c'est un nouveau choc parce qu'ils savent qu'ils vont devoir encaisser un nouveau procès. Procès qui s'ouvrira un an plus tard. Et là, contre toute attente, Liliane écope d'une peine plus lourde puisqu'elle est condamnée à 23 ans de réclusion. Donc il y a un petit supplément de 3 ans et je pense que c'est peut-être une façon de lui dire « Eh bien, vous vous moquez de la justice, vous vous moquez de vos victimes, vous vous moquez de la justice, maintenant, stop, fin de partie, on ne joue plus. » En fait, c'est tragique parce qu'effectivement, il y a un mort. C'est tragique parce qu'il y a une famille qui est détruite. C'est tragique parce que l'auteur des faits n'a pas été capable à un seul moment d'avoir un minimum de respect pour la victime. Mais voilà, il y a le côté tragique dans tous les sens du terme. Quelques années après son incarcération, Liliane a divorcé de son mari Carlo. Et en 2017, 7 ans après sa condamnation par la cour d'appel, le prénom de la jeune femme est réapparu dans la presse. Elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un maton, d'un gardien de prison, avec lequel elle va même se paxer. Elle va même avoir un bébé parloir, mais leur relation est découverte lorsque le gardien en question fait passer un téléphone portable en douce à sa belle pour pouvoir communiquer avec elle quand il n'est pas dans la prison. L'administration va découvrir le poteau rose et va condamner Liliane à 3 mois de prison supplémentaire. 3 mois ferme pour Liliane, 3 mois sursis pour le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire qui, bien entendu, a démissionné et exerce maintenant une autre activité professionnelle. Finalement, avec le recul, on se rend compte que Liliane aura menti toute sa vie, qu'elle n'aura fait que ça et que ça aura fait couler le sang, mais qu'elle s'en sort finalement toujours. Alors certes, elle a été condamnée à 23 ans de prison, mais ça ne l'a pas empêchée de refaire sa vie, de reconstruire une famille. Voilà, et qui sait, on n'est pas à l'abri de réentendre parler de Liliane dans les années à venir. Le 26 août 2020, c'est une journée absolument radieuse. À Annecy, il fait beau, le lac est chaud. Annecy est plutôt une ville tranquille, donc les journées s'écoulent paisiblement, surtout en fin d'été. Donc c'est une journée paisible, ce 26 août 2020, et pourtant un drame va frapper cette ville. Louis est un homme âgé de 33 ans qui exerce la profession de psychologue. Avec sa compagne, dans un cabinet qu'ils ont créé il y a peu de temps à Annecy.
C'est pour eux aussi une journée de travail classique. La journée se déroule normalement. Chacun, à tour de rôle, va donc chercher son patient. Et d'un coup d'un seul, la consultation de Louis est perturbée par cette détonation qu'il entend. Il entend un bruit sourd, une déflagration. Il ouvre immédiatement la porte de son cabinet et il voit sa compagne au sol. Et là, c'est un désastre. Il voit sa femme qui est mortellement blessée. On lui a tiré dessus, on a tiré sur sa femme. Il aperçoit une personne quitter le cabinet et il tente de le poursuivre dans un geste réflexe, peut-être en se disant qu'il va pouvoir intercepter l'agresseur de sa compagne. Et Louis va hurler, arrêtez-le, il a tué ma femme. Et c'est tout de suite le choc. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme s'est introduit dans un cabinet de psychologue et a tiré. Donc c'est effectivement quelque chose qui abasourdit. Il y a une chape de plomb qui tombe sur cette ville à ce moment-là. Cette enquête commence et elle va nous plonger dans la plus grande misère humaine. Nous sommes à Annecy, la Venise des Alpes, une très jolie ville où vit Morgane, 33 ans. Morgane, c'est une jeune fille qui naît en 1987 à Salange, donc en Haute-Savoie. Elle grandit à Chède. Morgane a grandi dans une famille tout à fait classique. Elle décrit une enfance heureuse, avec une famille entourante. Elle est décrite par ses proches, sa famille, ses amis, mais les institutrices aussi de l'époque, comme une enfant surdouée. Elle est très en avance sur son âge. Elle vient d'un milieu où les parents sont plutôt, je dirais, des gens progressistes, très ouverts sur la culture. C'est une fille qui aime le musée, qui aime le théâtre, qui aime le rock. Elle s'intéresse à beaucoup de choses, elle est très curieuse de son enfance, mais c'est aussi ce qui la caractérisera comme femme plus tard. Et c'est plutôt une petite fille joyeuse, très entourée, très aimée de ses frères et de sa grande sœur. Donc elle a un parcours de vie assez classique. À 21 ans, Morgane s'inscrit en faculté de psychologie. Elle s'oriente vers la psychologie, pas tellement pour l'intérêt de la matière en soi, mais parce que c'est un domaine où elle peut aider les autres. Aider les autres était, je crois, fondamental pour Morgane. C'est ce qui l'a animée, motivée pour mener ses études de psychologue. Et c'est sur les bancs de la fac que Morgane rencontre Louis, celui qui deviendra son mari. Louis et Morgane se rencontrent à l'école de psychologie d'Annecy et je crois que très rapidement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils sont au début de la vingtaine, elle a 21-22 ans et ils vont s'installer très rapidement ensemble au bout d'une année pour débuter leur vie conjugale et ils ne se sépareront plus jamais. Une fois diplômés, Morgane et Louis s'associent pour ouvrir un cabinet de consultation et accueillent un petit garçon. Dans leur quête de construire cette cabinet, cette vie professionnelle, à côté de cela, se développe également la volonté de créer une famille et donc arrivera cet enfant qui est évidemment un bonheur et qui permet à ce couple de développer encore leur amour. Elle est tournée constamment vers les autres. Son souci, c'est d'aider les autres à aller mieux. Et elle disait souvent à Louis, on ne peut pas juger ça, on ne peut pas juger. Il ne faut pas qu'on juge, on est là pour aider. Et c'est les qualités que lui a aimées chez elle et qui ont fait que leur amour était aussi solide. C'est la psychologue parfaite, c'est la maman parfaite, c'est la meilleure amie parfaite. C'est la fille sans histoire qui a juste réussi sa vie et qui est une psychologue reconnue par ses patients. Je ne sais pas si quelqu'un est parfait, mais en tout cas, si la perfection existe, je pense qu'elle s'appellerait Morgane.
Ainsi, le 26 août 2020, Morgane et Louis se retrouvent comme chaque matin dans leur cabinet. Ils prennent leur café ensemble et puis chacun commence sa journée de travail en se souhaitant une bonne journée, en se disant « je t'aime ». Et chacun reçoit ses clients alternativement. Dans le cours de la matinée, Louis reçoit un patient et est amené durant la consultation, juste avant qu'elle se termine, à l'accompagner aux toilettes. Donc il sort de son propre cabinet, accompagne son patient. Il aperçoit un homme dans la salle d'attente, à côté d'une autre patiente. Louis lui demande s'il a rendez-vous et l'homme présent dans la pièce semble lui montrer le bureau de sa compagne. Ensuite, Louis rentre dans son cabinet et puis Morgane sort de son cabinet pour recevoir sa jeune patiente. Maëlle a rendez-vous à 11h, elle est arrivée 2 minutes auparavant. Elle s'est assise dans la salle d'attente, il y avait un homme âgé, a priori respectable. Morgane, qui est très ponctuelle, vient vite la chercher, la fait rentrer dans son bureau et lui dit « je reviens, je vais voir ce que cet individu veut ». Quand elle sort, à ce moment-là, elle se retrouve face à un homme qui sort une arme. Dans un geste naturel et presque automatique, elle se retourne vers son bureau en criant. C'est à ce moment-là que l'homme fait feu. Touché en pleine tête, Morgane s'effondre au milieu de la salle d'attente. La jeune patiente est choquée dans le fond du cabinet. Maëlle va appeler une de ses amies au téléphone qui lui dit « mais sors, essaye d'appeler les pompiers, sors, où est le tueur, où est le tireur ?» Et là, Maëlle va trouver le courage d'enjamber le corps de Morgane et de se rendre à l'extérieur en criant, en appelant les pompiers. Louis sort de son cabinet. Au début, il pense que c'est un patient qui s'est suicidé. Il comprend très rapidement, il voit sa femme à terre, le visage emporté, détruit par la détonation et par l'unique coup de feu. Au cabinet de Louis et de Morgane, c'est l'effroi. Un homme a tué la jeune femme de sang-froid avant de prendre la fuite. Louis se précipite auprès de sa femme, essaye d'échanger avec elle, essaye de prendre une respiration, essaye de lui parler pour lui rappeler son amour. Très rapidement, la police arrive sur les lieux du crime. La scène de crime, évidemment, elle va choquer les primo-intervenants, les pompiers, les médecins du SAMU. C'est une scène que, naturellement, les policiers en charge de la sécurité à Annecy ne sont pas habitués à voir. Cette scène de crime, elle est violente, elle est sanglante. Du sang, beaucoup de sang. Un certain nombre d'éléments qui rendent cette scène tout à fait insupportable. Malgré l'expérience des policiers qui interviennent. Et tout de suite, ils vont se demander qui a pu tuer cette jeune femme, apparemment sans histoire. Et ils vont faire les premières constatations et pour essayer de définir un mode opératoire. Alors les policiers vont se demander comment le tireur a-t-il fait pour tuer cette jeune femme. Et pour les enquêteurs, il y a urgence, car le meurtrier de Morgane est en fuite. La panique s'empare de la ville. On est au mois d'août. 11h, c'est une heure hyper passante. Donc rapidement, on parle d'un tueur qui est là, qui est parti, qui est avec, on ne sait pas s'il a son arme ou pas son arme, dans les rues d'Annecy. Au cabinet de Morgane et de Louis, les patients, témoins du meurtre de la psychologue, sont escortés en urgence à l'unité psychojudiciaire de l'hôpital d'Annecy.
Ces témoins sont pris en charge évidemment par les services de secours, d'abord comme des victimes, puisque je rappelle, ils sont sous le choc de ce qu'ils viennent de voir ou d'entendre pour certains. La jeune patiente de 16 ans, elle a vu. C'était dans la même pièce qu'elle. Le patient de Louis a entendu, puis certainement ensuite a vu. De son côté, la police scientifique investit la salle d'attente du cabinet à la recherche d'indices. On va retrouver, par exemple, une boucle d'oreille de Morgane sous un siège de la salle d'attente. Et effectivement, les investigations des TIC, des techniciens en investigation criminelle, vont durer une bonne partie de la journée. Ils aperçoivent au sol une arme. Cette arme est un fusil qui manifestement a été scié. C'est un fusil qui a été modifié par le tireur. En regardant l'arme, en regardant le corps de Morgane, ils comprennent qu'il y a eu certainement un tir à bout portant et que la distance entre l'arme et la victime était malheureusement extrêmement faible. L'arme utilisée, la balle utilisée, la distance à laquelle le tir est porté ne laissait aucune chance de survie à Morgane. Et alors que la police scientifique poursuit ses recherches, dans le centre-ville d'Annecy, le tireur est identifié par des riverains. Sachant que les passants, à ce moment-là, imaginent que c'est dans un premier temps le tireur qui est lui-même la victime parce qu'il présente une plaie dans le cadre de la bagarre qui a précédé et que, compte tenu de son âge et de son allure, probablement c'est lui la victime. Et puis finalement, comprenant que ça n'est pas le cas, des passants vont le suivre. Deux passants vont se mettre à poursuivre le tireur dans la ville d'Annecy, vont réussir à retracer son itinéraire. Les témoins décrivent un homme tranquille, qui avance de manière mécanique. Le premier témoin va le suivre, va essayer un peu de l'interpeller en lui mettant la main sur l'épaule. Et le tueur continue à marcher et se dirige en fait vers le centre commercial qui est situé à une dizaine de mètres du cabinet de Morgane et de Louis, pour aller récupérer sa voiture, tout simplement. Alertée par les passants, une équipe de police se rend immédiatement sur place. Dans le parking, les policiers arrivent à établir que c'est bien le tireur qui est en lien avec ce qui s'est passé au cabinet médical, qu'ils tiennent entre leurs mains. Et donc, il est interpellé alors qu'il est en train de mettre son ticket sereinement, alors qu'il vient quand même de tuer une femme. C'est très étonnant, cette froideur. Il va n'opposer aucune résistance, reconnaître les faits. Très rapidement, l'homme indique avoir tiré sur une femme au sein du cabinet. Il se laisse interpeller sans aucune difficulté, puis les enquêteurs procèdent à un certain nombre d'investigations immédiatement, tant sur la personne de l'homme que sur son véhicule qu'il désigne rapidement au sein du parking. Les enquêteurs de la PJ vont effectivement se rendre dans la voiture blanche et vont commencer petit à petit à tirer le fil d'une mise en scène, d'une préparation extrêmement méthodique de ce qui vient de se passer. Ils s'aperçoivent d'une première chose, c'est que les plaques qui sont posées sur le véhicule ne sont pas des plaques originelles. C'est-à-dire qu'on a des plaques qui sont posées avec du scotch double face, hein, de façon assez artisanale, sur un véhicule qui présente une autre immatriculation. Ils vont commencer par découvrir un rouleau de scotch, un chiffon, des gants transparents. L'attirail parfait de « je me suis déplacé de façon furtive et j'ai voulu brouiller les pistes ». Ils se rendent compte donc que c'est un véhicule de location qui a été loué plus tôt dans la matinée au sein d'une société à Chambéry. Ce tueur s'était organisé pour masquer son identité et pour en tout cas rendre difficiles les recherches. Le suspect est conduit au commissariat d'Annecy et placé en garde à vue. L'homme qui est arrêté a un profil assez atypique
par rapport à ce qu'on aurait pu s'imaginer compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé. Les enquêteurs sont étonnés par le profil du suspect parce qu'il a quand même 75 ans et c'est pas courant dans des affaires criminelles de voir quelqu'un d'aussi âgé, mais en même temps ils ne connaissent pas encore le fond de l'histoire de cette affaire et ils vont aller de surprise en surprise. Au commissariat, la garde à vue de l'homme qui a tiré sur la jeune psychologue débute. Très rapidement, cet homme il va décliner son identité lors de sa garde à vue. C'est Albert, 75 ans, il est retraité. On ne sait pas qui il est. Il n'est pas sur l'agenda de Morgane. Morgane n'a pas prononcé son nom. En réalité, Morgane ne le connaît pas, ne l'a jamais vu. Immédiatement, il reconnaît l'intégralité des faits. Il cherche à savoir la gravité des blessures qu'il a infligées à la femme, puisque, et c'est un point important, en réalité, dès qu'il tire, il se retourne et quitte le cabinet, ce qui fait qu'à aucun moment il ne voit précisément le corps, il ne voit pas Morgane au sol, il ne voit pas les blessures qu'il a infligées. Et il va ensuite s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Ce que l'enquête va révéler, c'est que ce 26 août, qui était une journée normale pour les Annéciens, était a priori une journée normale pour Albert et sa famille. C'est en tout cas comme ça qu'il l'a présenté. Sa journée débute avec sa femme. Il explique à son épouse qu'il doit se rendre dans l'un de leurs appartements sur lesquels il y a un chantier. Donc, manifestement, il a absolument pas, il donne pas d'informations sur le fait qu'il doit se rendre sur Annecy. Il dit à sa femme qu'il va dans ces appartements-là pour faire les travaux. Il va y laisser son téléphone portable, qui est quand même un acte pas neutre, puisque ça empêche de le tracer. En tout cas, ça le localise dans ces appartements-là, s'il lui fallait un alibi. Il exécute ce qu'il a minutieusement préparé dans sa tête. Il prend son sac de plage avec dedans le fusil dont il a scié la crosse et le canon, les deux plaques d'immatriculation qu'il a volées la semaine d'avant sur un parking à côté d'Annecy. Et puis, il prend son véhicule pour rejoindre une agence de location dans laquelle il a loué un véhicule. Il prend la route d'Annecy, en prenant soin de ne pas prendre l'autoroute. Il s'arrête à peu près à mi-chemin sur un parking de covoiturage pour mettre les fausses plaques d'immatriculation. L'homme explique ensuite avoir repris sa route en direction du cabinet de Louis et de Morgane, où il aurait effectué un repérage quelques jours plus tôt. Plutôt, il a pris un vrai rendez-vous sous un faux nom auprès de Louis, un rendez-vous qu'il annulera par la suite. Il s'est fait expliquer comment on entrait dans les parties communes du cabinet. Il est déjà allé repérer le paillasson, le pas de porte, la porte du premier étage du cabinet de Morgane. Il a des gants, il a un bonnet un petit peu sur le... qui est un peu atypique, un 26 août à Annecy quand il fait beau et qu'il fait chaud. Il parvient à rentrer dans les parties communes de cet immeuble sans difficulté, de rentrer dans le cabinet et de s'installer avec son sac dans la salle d'attente. Et la suite, on la connaît. L'ensemble des enquêteurs sont assez sidérés du calme apparent que présente Albert, eu égard à la très grande gravité des faits qu'il vient de commettre. Albert a un comportement très serein pendant sa garde à vue. Il n'a pas l'air déboussolé, il n'a pas l'air déphasé. Ça ne génère pas d'émotion chez lui quand il évoque son passage à l'acte. En parallèle de cette garde à vue, le corps de Morgane est autopsié à l'hôpital d'Annecy. L'autopsie et les investigations sur le corps de Morgane, ils vont révéler évidemment que la blessure au visage, elle est extrêmement grave. Elle va révéler également que ce coup de feu, il a été tiré de bas en haut. L'orientation de la blessure permet de se convaincre que effectivement, ce n'est pas un face-à-face, ce n'est pas une exécution sommaire comme on peut l'imaginer, puisque effectivement, le tireur tient manifestement l'arme à la hanche et pointe le canon vers le haut. Cette femme n'a plus de visage, en fait. Il n'y a plus rien. Donc, le cœur, le cerveau sont des parties vitales. Quand vous tirez dans la tête de quelqu'un à 10 cm avec une arme de chasse, l'intention homicide, elle se déduit. L'autopsie, elle ne fait que confirmer les dégâts.
Cette femme ne pouvait que mourir. Les enquêteurs ont désormais la preuve qu'Albert était venu avec l'intention de tuer la jeune femme. Reste désormais à comprendre ce qui a pu pousser ce septuagénaire à passer à l'acte. Dès sa première audition, le tireur explique le lien qu'il unit avec sa psychologue. Il explique qu'il n'est pas le patient de ses psychologues, mais que néanmoins sa fille, qui présentait des difficultés d'ordre psychologique, notamment un stress lié à son travail, avait rencontré Morgane quelques mois plus tôt. Albert va confier aux enquêteurs qu'en fait, il y avait un problème, un conflit entre sa fille, donc, qui était patiente de Morgane, lui, et donc la psychologue. C'était un conflit à trois, mais il ne va pas être très précis sur ce conflit et les policiers en fait, vont découvrir plus tard la raison précise de ce conflit qui est en fait le fond de toute cette histoire. En effet, au cours de leur enquête, les policiers découvrent que Lucie, la fille d'Albert, avait confié à Morgane avoir été victime d'abus sexuels de la part de ce dernier. Lucie a indiqué à sa psychologue qu'elle avait été elle-même victime d'attouchement de la part de son père, Albert. Donc elle trouve en Morgane une confidente, enfin, qui lui permet de développer ses traumatismes d'enfance. Elle décrit en effet qu'à l'âge de 12-13 ans, elle a été victime d'un fait d'atteinte sexuelle de la part de son père. Et fait qui n'a pas été révélé ni à sa mère, ni à d'autres amis, ni même à son mari à elle. Et lors de leur dernière séance, Lucie serait allée plus loin dans ses révélations contre son père. Elle va confier à Morgane, c'est au bout de quelques mois qu'elle va lui confier que sa propre fille, qui est mineure, est elle-même victime d'attouchement de la part, ou a été victime en tout cas d'attouchement de la part d'Albert. Et elle révèle ça à Morgane, et en lui disant « vous n'en parlez pas ». Sauf que Morgane, qui est psychologue, ne peut pas laisser une enfant mineure dont elle sait qu'elle est victime d'attouchement, sans faire un signalement, sans réagir. Morgane est une professionnelle compétente. Elle va d'abord essayer d'inviter Lucie à prendre en charge cette situation, en allant déposer plainte, en révélant à la justice, en essayant de la convaincre qu'en tant que maman de cette jeune fille, elle a une obligation de protection à son égard qui doit passer par la dénonciation de ses faits. Mais Lucie ne souhaitait pas poursuivre son père pour ses faits présumés d'agression sexuelle. Morgane aurait donc décidé d'agir. Elle s'aperçoit que sa patiente n'est pas prête, ne souhaite pas, pour un certain nombre de raisons, révéler ses faits. Elle se rend compte aussi que l'enfant, la jeune fille, n'est pas mise forcément en mesure non plus de révéler ses faits à l'autorité judiciaire. Et donc, elle s'aperçoit qu'il n'y aura pas de révélation spontanée. Lucie veut absolument protéger sa fille, mais ne veut pas que ses attouchements soient dévoilés. Elle veut que ça reste en famille, elle veut que ça soit un secret de famille, comme on dit selon la formule consacrée, un lourd secret de famille. Mais Morgane, elle, ne peut pas garder ça pour elle parce qu'elle a une déontologie. C'est comme ça qu'elle va en informer Lucie, en lui disant « si vous n'arrivez pas à le faire, la loi m'oblige, et c'est d'ailleurs une obligation légale, de faire une remontée d'informations préoccupantes sur la situation. » C'est alors que Lucie aurait décidé de tout raconter à son père Albert, loin de se douter des conséquences de cette discussion. Lucie, comprenant que Morgane ne reviendrait pas en arrière, elle veut préparer son père tombe pas des nues. Je pense que dans une forme de protection à l'égard de son père, elle va lui dire, il va y avoir une révélation, voilà ce qui va se passer. Son père donc va réagir en disant, fallait pas faire ça, je vais rencontrer cette psychologue et je vais lui dire de rien dire, faut que personne soit au courant, faut que ce secret reste dans la famille et je vais arranger les choses. Alors, elle devient un problème à résoudre.
Et c'est les mots qu'il utilise, lui. Il dit « Morgane n'est pas une jeune femme, ce n'est pas une mère de famille, ce n'est pas une épouse, ce n'est pas quelqu'un de bien. Morgane est un problème. Et il faut résoudre le problème. » Et donc, c'est à ce moment-là qu'il commence à élaborer un plan qui lui permettra d'avoir une rencontre dans des circonstances évidemment complètement ubuesques, parce qu'il envisage assez rapidement, donc on va dire à peu près aux alentours du 21 août, de se munir d'une arme. Il pense aussi à ce moment-là à voler donc des fausses plaques pour les apposer sur un véhicule de location et se présenter au cabinet de Morgane le 26 août. Pourtant, en garde à vue, Albert nie avoir eu l'intention de tuer la jeune psychologue. Lorsqu'il se présente au cabinet, il n'a pas l'intention d'atteindre la vie de Morgane. Il n'explique pas vraiment. Il dit « le coup est parti tout seul, c'était pas mon intention ». Alors, pour comprendre comment ce septuagénaire a pu basculer dans une telle folie criminelle, les enquêteurs vont devoir se plonger dans son passé. Deux jours après le meurtre de Morgane, les enquêteurs se penchent sur le profil d'Albert. Albert est né en 1945. C'est un homme qui a grandi dans une famille très traditionnelle. Il a une grande sœur de 10 ans son aînée et une petite sœur. Ils grandissent dans une certaine simplicité. Et effectivement, il évolue dans cet environnement où on parle peu. Il rencontre sa compagne il y a 52 ans et effectivement, rapidement, ils se mettent en ménage et ils se marient en 1968. Le couple souhaite rapidement avoir un enfant, leur première fille, Lucie, puis viendra ensuite la naissance d'un garçon. C'est une famille plutôt secrète, hein, qui ne fait pas du tout parler d'elle. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est peut-être l'un de ses maîtres mots qu'il a appliqué toute sa vie. En tout cas, il n'a jamais fait parler de lui. Et c'est vraiment quelqu'un de banal. Albert est un homme qui se noie dans le travail, essaye de créer un certain nombre d'entreprises. Il a une formation d'architecte, de commis architecte plus précisément, et il travaille donc dans un certain nombre de cabinets d'architectes, puis de maîtrise d'œuvre. Il a une vie professionnelle remplie. C'est un homme qui a présente aucune difficulté apparente dans son parcours de vie. Pourtant, en creusant dans son passé, les enquêteurs découvrent que l'homme porterait en lui un lourd secret de famille. Donc Albert va raconter que sa famille est très secrète parce que en fait il y a un drame qui se noue depuis des générations. En tout cas, c'est ce que lui dit. Il dit que lui-même a été victime d'inceste. Dans sa petite enfance, la promiscuité de sa famille faisait qu'il partageait tête bêche son lit avec sa grande sœur, de quelques années de plus que lui. Lui demandait régulièrement de mettre, et ce sont les propos d'Albert, de mettre la petite auto dans le garage. Et en plus, il y a eu un certain nombre d'agressions sexuelles, voire de viols dans son enfance. On sait qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il a subi un certain nombre d'agressions sexuelles par un tiers, un pêcheur, qui se trouvait dans son village. Albert aurait donc été, lui aussi, victime de faits à caractère sexuel. Des actes traumatisants qu'il aurait ensuite reportés sur sa fille et sa petite-fille. Et en réalité, ce qui se passe, comme malheureusement souvent, c'est que Albert accepte la normalité de ses faits. Puisqu'il n'y a pas d'intervention, il n'y a personne pour lui dire ce que tu as vécu est anormal et doit être réprimé. On a une banalisation et une normalisation de ces actes sexuels. C'est pour ça que quelque part derrière ce crime, il y a le procès de la pédophilie par héritage. On sait que dans les affaires de violence ou dans les affaires de crimes sexuels, régulièrement les auteurs sont de précédentes victimes. Albert, de façon quasiment certaine, est d'abord une victime d'inceste, d'attouchement et de viol. Ce qui
qui a totalement détruit sa construction sexuelle. Il raconte donc que c'est un secret, lourd secret de famille qui se transmet de génération en génération. D'une certaine manière, la psychologue Morgane allait faire détruire l'édifice familial. Le 30 août, soit 4 jours après la mort de Morgane, Albert, 75 ans, est mis en examen pour assassinat. Évidemment, le dossier révèle que Albert a repéré les lieux, préparé non seulement son acte avec, en préparant une arme, mais également en préparant une fuite ou en tout cas en rendant plus difficile son identification, presque aussi en se préparant un alibi, en laissant son téléphone portable dans cet appartement. Donc effectivement, il coche toutes les cases de l'assassinat. Dans l'attente du procès, et pour honorer sa mémoire, les proches de Morgane organisent, 3 semaines après sa mort, une marche blanche. Cette marche blanche, elle est extrêmement digne. Elle se passe en présence de Louis, elle se passe en présence de la meilleure amie de Morgane et de sa famille, des collègues les plus proches de Morgane. Un texte est lu, Louis tient un portrait de sa femme dans les mains. La famille de Morgane, tous les proches veulent savoir ce qui s'est passé, quelle a été l'intention d'Albert, pourquoi il a tiré, est-ce que c'est vraiment un accident? Bien sûr, ils doutent de cette version-là et ils veulent que toute la lumière soit faite durant le procès à venir. Deux ans après la mort de Morgane, le procès d'Albert s'ouvre. Accusé d'avoir assassiné la psychologue de sa fille, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dès l'ouverture du procès, la salle est comble. Le public vient nombreux pour assister au procès d'Albert. On a une ambiance qui est effectivement lourde, avec énormément d'émotions, une ville qui est marquée, des parties civiles qui attendent aussi ce procès pour pouvoir marquer une étape dans leur deuil, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir avoir le regard de la justice sur ce qui s'est déroulé ce jour du 26 août 2020. À la barre, le prévenu continue de nier avoir eu l'intention de tuer Morgane. Albert est constant sur le fait que le tir est accidentel pour lui et que jamais il n'a eu l'intention de tuer Morgane. Sa version des faits est démentie par les éléments de l'enquête et les expertises qui ont été réalisées. Dans la mesure où le tir est forcément volontaire, puisqu'il n'y a pas de souplesse au niveau de la détente qui aurait pu expliquer un tir accidentel. L'expertise balistique a permis effectivement de démontrer qu'il fallait véritablement appuyer sur la gâchette et que ce n'était pas « ah zut, c'est trop sensible, c'est parti ». Donc il a véritablement appuyé. Après, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il a visé? Il aurait pu tirer dans la porte, il aurait pu tirer dans le mur, il aurait pu tirer dans le plafond. Albert dira, il a tiré dans un réflexe. C'est le mot qui sera utilisé par Albert, qui ne vacillera pas. Il parlera d'un tir réflexe. Lucie, la fille d'Albert, est interrogée sur le rôle qu'elle aurait pu jouer dans ce drame. La jeune femme indique, comme depuis le début de l'enquête, qu'elle a tout fait pour tenter de dissuader son père de rencontrer Morgane. À aucun moment, Lucie ne demande à son père d'intervenir. Lorsque son père lui indique qu'il pourrait aller la voir, qu'il pourrait aller échanger avec elle, sa fille lui dit de ne pas le faire. C'est confirmé par Albert et par la femme d'Albert que Lucie a tenté d'éviter cette confrontation, d'éviter à son père de se présenter au cabinet de Morgane. Donc on peut s'interroger sur le lien de causalité entre l'intervention de Lucie auprès de son père et les faits qui se sont déroulés, mais parler de responsabilité me paraît objectivement déplacé. En aucun cas, elle ne pense qu'il puisse être capable des faits tels qu'ils se dérouleront le 26.
Au troisième jour d'audience, la parole est donnée aux parties civiles. La cour d'assises de la Haute-Savoie, elle va basculer au troisième jour du procès lorsque les parties civiles vont défiler à la barre. Des beaux-parents, les parents de Louis qui avaient donc accueilli Morgane comme leur fille, presque plus que comme leur belle-fille, le papa et la maman sont venus témoigner, ont été d'une... Enfin, ont eu des mots pour leur belle-fille qui ont été absolument admirables. Viendra le tour du frère de Morgane. Il va complètement scotcher la cour d'assises. Il va parler et au bout de 30 secondes, les avocats des parties civiles vont essuyer leurs larmes. Il dit Morgane était une personne de qualité. C'était ma petite sœur, on avait 4 ans d'écart. Elle faisait plus que son métier, c'était sa vocation. Le frère de Morgane hypoctura sa déclaration en disant « j'ai mal à ma sœur ». Maëlle, la jeune patiente de Morgane, témoin direct du drame, s'est constituée elle aussi partie civile. Maëlle a d'ailleurs dit que Morgane elle était tellement super qu'elle aurait même aidé Albert, s'il lui avait demandé. Elle s'est retournée vers lui en lui disant cela. Et elle a dit en tout cas à Morgane qu'elle était évidemment morte trop tôt, mais qu'elle avait fait un truc bien parce qu'elle avait sauvé une personne, elle l'avait sauvée elle. Et quand vient le tour de Louis, le mari de Morgane, il choisit de s'adresser directement à Albert. Louis arrive à la barre, il va raconter la vie d'avant. Il va faire regarder les photos de famille à Albert. Quand Albert il regarde dans ses chaussures, Louis va l'interpeller. Regarde, regarde ce que tu as, regarde ce que tu as enlevé. Quand Louis lui dit « Vous avez tué ma femme, ma meilleure amie, la mère de mon enfant », dans un sanglot de désespoir à la barre de la cour d'assises, là, Albert va fondre en larmes et il va crier dans la cour d'assises « Non, j'ai pas voulu, je voudrais demander pardon ». Là, moi, j'ai quand même eu le sentiment qu'Albert prenait enfin la mesure du drame dont il était l'auteur, à ce moment-là. Lorsque Albert a eu un mot à la fin, avant sa condamnation, il a été assez clair sur ses attentes. Il n'attend pas une peine quelconque. Il voulait simplement montrer qu'il n'était pas un tueur froid, qu'il avait en lui une part d'humanité. On a vu un vieil homme s'effondrer devant la famille, on a vu un vieil homme s'effondrer en larmes et je crois regretter très sincèrement le déroulé de ces événements. Il a eu un mot à la fin de ce procès de dire « quelle que soit la peine, ce sera justice ». Au soir du 23 juin 2020, après 3 journées intenses, Albert est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Quand le verdict tombe, que ce soit du côté de la famille de Louis ou du côté de l'accusé Albert, tout le monde reste stoïque, comme si ce verdict n'était pas une surprise. Je pense que la peine qui a été prononcée, c'est une peine qui, évidemment, est lourde, mais qui est proportionnée à la gravité des faits. Et je pense que la cour d'assises, en ne prononçant pas la perpétuité, a pris en compte, je le crois, les explications d'Albert et le processus dans lequel il était englué depuis malheureusement sa tendre enfance. Si Albert a été condamné pour le meurtre de Morgane, il n'en a pas pour autant fini avec la justice. L'autorité judiciaire s'est naturellement saisie des faits dénoncés par Lucie. Commis sur sa fille par son père. Et le procureur a diligenté une enquête pour, on va dire, organiser un procès et juger Albert sur les faits d'agression sexuelle qu'il est soupçonné d'avoir commis sur sa petite fille. Ce procès sera organisé au cours du mois de février. Louis est toujours psychologue. En mi-temps thérapeutique à l'hôpital d'Annecy. La plaque devant le cabinet a été démontée. Le cabinet n'a pas encore été vendu, visiblement, mais je pense qu'il le sera. Et Louis va tenter de reconstruire sa vie, tant bien que mal, avec son fils et en gardant ce travail qui, pour lui,
comme pour Morgane, était une véritable vocation, une véritable raison d'être. Cette affaire m'a touchée parce que se dire qu'une psychologue qui allait simplement dénoncer pour protéger une mineure se fait assassiner, c'est indicible, enfin, c'est inaudible. En 9 minutes, on a un assassin qui arrive, un assassin qui tue, un assassin qui s'enfuit, un assassin qui est interpellé, et tout est révélé. Voilà, et elle est morte, pour toujours. Ce qui m'a profondément marquée et qui restera dans ce dossier, c'est le tel décalage entre la qualité humaine de Morgane et la facilité avec laquelle sa vie a disparu en un claquement de doigts. C'est une affaire un peu particulière, et ce prénom Morgane, vous savez, dans une carrière professionnelle, parfois on a des prénoms comme ça qui traversent nos vies professionnelles. Et je pense que Morgane fera partie effectivement de ces prénoms que je vais retenir, incontestablement. Ouais.